Bonjour. Bonjour. Je vous présente Cédric Ribaud. Et je vous présente Christelle Le Calvé. Nous sommes les organisateurs de la Nuit de la Lecture. Et cette année, Christelle, c'est la 4e édition. Voilà. Elle aura lieu donc le 23 janvier 2021. Notez-le dans vos agendas. Et pour nous suivre, donc, ce sera en ligne de 15h à 18h. Vous pourrez nous suivre sur YouTube. Pour cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de l'Institut ou sur Facebook également. Voilà. Autour de trois thèmes, n'est-ce pas, Christelle? Voilà. Donc, cette année, le premier thème sera autour donc, des 10 ans du 11 mars 2011, date qui nous a évidemment tous bien marqués. Sur un thème un petit peu plus léger et pour s'amuser, les mots du français, cette langue que nous partageons ici pour la nuit de la lecture. Voilà. Et le troisième thème, donc tout à fait d'actualité, puisqu'il s'agit de relire le monde. Voilà. Voilà. Et pour cela, nous avons invité bien évidemment plusieurs personnalités. Tout d'abord, nous aurons le plaisir de recevoir Roxane de Bilderling, l'ambassadeur de Belgique. On aura aussi un de nos premiers partenaires de la Nuit de la Lecture depuis le début, la bibliothèque de Nakamachi. Ensuite, nous retrouverons Natsumi Penelope, une youtubeuse. C'est ça. Voilà, que vous pouvez suivre sur sa chaîne YouTube, bien sûr. Oui, elle est très sympa. Nous aurons aussi Bernard Thomann, directeur de l'Institut français de recherche sur le Japon. Et puis, nous recevrons Cécile Asanuma-Brice, une chercheuse donc, du CNRS. Ça. Nous aurons aussi une ex-collègue, Jacques Magne, qui est en France et donc sera sur Zoom. Voilà. Et sur Zoom également, en direct aussi de France, Dominique Buisson, un écrivain, photographe, spécialiste du Japon. Spécialiste. Et puis, sur Zoom aussi, mais du Québec, une écrivaine que nous allons vous faire découvrir, qui s'appelle Kim Thuy et qui est aussi traduite en japonais. Très bien. Et n'oublions pas, bien sûr, un invité surprise. De choix, bien sûr. Donc, surtout, n'hésitez pas, connectez-vous nombreux. Sur YouTube ou sur Facebook. Donc, abonnez-vous à la chaîne, devenez amis sur Facebook. Et on vous rappelle la date, Christelle. Voilà, ce sera donc le 23 janvier 2021. On vous attend. Voilà, et vous pouvez donc venir nous retrouver à partir de 15h. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir.